Salut à tous et bienvenue dans Si on sortait. Les 19e rencontres au Ciné-Montagne de Grenoble, c'est bientôt. C'est du 7 au 11 novembre au Palais des Sports. En attendant, jusqu'au 7 novembre, profitez d'une programmation off, les before. Donc jeudi à 16h30 à la Cinémathèque de Grenoble, allez voir La Ruée vers l'or de 1925. C'est les aventures d'un chercheur d'or, donc Charlie Chaplin, dans les montagnes enneigées du nord-ouest canadien. Chaque nuit, rêvait de Cendrillon. À l'occasion du festival du film pour enfants qui a lieu en ce moment, emmenez vos petits bouts voir Un conte peut en cacher un autre à Visile. C'est un film d'animation qui réinvente les contes de fées avec humour et intelligence. Connaître ces histoires, vous vous trompez. Tu devais dire comme tu as de grandes dents. Et ne ratez pas en ce moment l'exposition Vivant de Hank jusqu'au 4 novembre à Voiron. Rencontre. L'exposition me tenait beaucoup à cœur parce que j'ai fait un... Je voulais présenter bien sûr mes sculptures, tout le travail que j'ai fait sur le bois et le béton, sur les galets et les feuilles, sur les matières, les livres d'artistes également. Et le plus important pour moi, c'était donc les arbres que j'ai découverts il y a 2 ans dans les Hautes-Alpes, à Saint-Crépin. Et ce sont des genévriers turifères dont certains sont millénaires. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce lieu et la vie qu'il y a vraiment dans ces arbres. Et je suis retournée un an plus tard, donc l'été dernier, pour tous les dessiner. Enfin tous, un choix que j'ai fait. In situ, il n'y a eu aucune retouche dans mon atelier. Donc voilà, au crayon compté, au crayon graphite. Cette œuvre s'appelle « Cœur de vie ». La sculpture avec les galets et les feuilles a démarré un jour d'automne. Je me promenais au bord d'une rivière, j'habite à côté d'une rivière. J'ai vu toutes les feuilles accumulées sur les galets, avec un soleil magnifique, un bel éclairage. Et là, j'ai eu cette vision d'en faire une sculpture. Mais celle-ci, c'était différent. Je ramassais les feuilles. Ce sont des feuilles de châtaignier. Je les ramassais, je les mettais dans ma main. Elles étaient humides. J'ai mis en forme, avec plus de vie, cette sculpture-là.